Eh bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors, je me permets de vous parler donc depuis mon ordinateur et je me permets donc de revenir vers vous. Les choses ont beaucoup encore bougé cette nuit et j'ai découvert ça cette nuit au petit matin, vers 2h30, 3h du matin. Alors, déjà, je viens de m'entretenir donc avec Apple. Je vous laisserai en barre d'infos le lien Google Drive que je vous ai mis en ligne et l'entretien que j'ai pu avoir donc avec le service support d'Apple de par la bêtise de nos autorités. Hein, très clairement, c'est ce que m'a fait comprendre Apple en leur téléphonant. Je leur remercie vraiment de leur sincérité, de leur témoignage parce que en fait. Il vous explique, hein, il vous explique que très clairement les autorités font n'importe quoi, que prendre un téléphone, un iPhone 12, et le saisir et ne pas donner de nouvelles pendant 6 semaines, c'est absolument honteux. Je vous laisserai écouter pendant plus de 20 minutes l'entretien que j'ai pu avoir donc avec Apple. Ils sont formels, hein. Déjà, un, il n'existe pas de fichier caché, donc je vais me permettre de répondre pour celui qui fait l'enquête à tort et qui ne comprend rien à rien, mais bon, je vais recontextualiser la chose. Déjà, le faux compte au nom de Ziki, qu'on sait que ça ne vient pas de moi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'avais à vous dire, alors j'ai regardé sur mon compte iCloud, et pas de chance, moi j'ai regardé. Alors déjà, il m'a confirmé déjà que pour forcer le système d'Apple, c'est l'endommager. D'accord, donc je sais ce que vont faire les autorités parce que voilà, c'est tellement des brutes de décoffrage que voilà. Il m'a dit ça coûte 500 000 euros, donc déjà 500 000 balles. Voilà, il m'a dit votre téléphone, vous n'êtes même pas sûr de le récupérer en l'état parce qu'ils s'en foutent complet. Donc déjà par rapport au phénomène d'usurpation d'identité, il m'a dit déjà nous on a confié les charges à Instagram pour qu'on leur donne les accès à l'Apple Store, mais bon, on voit à quel point il y a certaines dérives. Donc, il m'a dit qu'il en était sincèrement désolé et que pour lui, il m'invitait à désinstaller Instagram complètement et à tout fermer. Donc, je pense que je vais suivre ce qu'il me dit parce que voilà, c'est, je trouve ça complètement déraisonnable et dérisoire. Ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. La deuxième des choses, je vais répondre pour les autorités puisque elles ne sont pas capables de faire leur travail et c'est bien dommage. Il m'a quand même été dit par noir plus blanc qu'il n'y a pas de fichier caché dans l'iPhone, qu'on ne peut pas trouver de fichier caché, ou alors dans la partie uniquement notes. C'est pas comme dans un ordinateur à pianoter, machin, truc, tout. Donc voilà, donc déjà ça me rassure parce que je me dis en fait que très clairement j'ai regardé mon compte iCloud et les photos qui sont dedans, pardon, autant pour moi, il n'y a rien d'anormal, il n'y a aucune injure, aucune, rien du tout, il n'y a rien du tout même dans les voice speakers, donc ça me rassure aussi. Comme il m'a dit, écoutez, de toute façon, le problème c'est qu'Instagram n'en a qu'à faire aussi, quand les gens sont victimes d'usurpation d'identité, le drame arrive déjà et ils ne peuvent pas corriger le problème. Moi, comme il m'a dit, si vous voulez plus avoir d'emmerde, vous coupez Instagram, vous coupez tout. Comme ça, c'est réglé. Donc voilà, vous gardez uniquement le basique syndicat, c'est-à-dire vous informez vos contacts que vous basculez sur WhatsApp. Comme ça, vous êtes tranquille et on ne viendra pas vous casser les pieds. Et comme ça, voilà, vous sélectionnez que les contacts envers qui vous avez réellement confiance. Donc vous voyez comme quoi Apple dit quand même très clairement de près comme de loin que Instagram, faut pas leur faire confiance. Vous voyez, c'est pas nouveau, hein. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc je vous laisserai quand même écouter quand même ce qu'ils ont à dire, parce que c'est important que le monde le sache, c'est important que tout le monde écoute ce qu'a à dire Apple à ce sujet-là. Moi, celui que j'ai au téléphone de par chez Apple, je le remercie vraiment pour sa gentillesse. Je vous invite vraiment, et je vous ai déjà mis le lien sur Facebook. Du lien Google Drive et c'est pour ça que je vais vous mettre sur l'ensemble de mes deux chaînes. Il faut savoir avant toute chose que je n'ai jamais insulté ou injurié qui que ce soit. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. L'entretien avec Apple est très clair. Pour moi, ça me paraît mais tellement carré qu'on ne peut pas mieux faire. La personne que j'ai au téléphone, elle a été extrêmement gentille avec moi et je la remercie. Comme il m'a dit, de toute façon, là, ils peuvent pas vous prendre votre deuxième téléphone. Ils n'ont rien à vous dire. Par contre, ils vous doivent une compensation sur le fait que, un, ils vous aient privé pendant plus de 4 semaines, de non-possibilité d'être joignable. Donc déjà, les autorités font de l'abus, déjà.
Ça, il m'a dit, de toute façon, il faut prendre un avocat, il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. De deux, on vous accuse à tort, alors vous n'étiez même pas au courant de ce que vous me dites. Je lui ai dit, bah attendez, non, je n'étais pas du tout au courant. Et de trois, non, je vais être très simple, très clair avec vous, non, je n'ai jamais insulté ou injurié qui que ce soit. Donc voilà, donc en fait, dans le vice du problème, il se passe quand même que Instagram n'en a qu'à faire des problèmes de leurs utilisateurs, et malheureusement, en fait, moi je suis impuissant parce que déjà, comme je vous le disais dans l'ensemble de mes vidéos et témoignages, non, je n'ai jamais insulté qui que ce soit, non, je n'ai jamais envoyé de contenu déplacé ou d'injures ou d'insultes qui pourraient être déplacées ou qui dépasseraient le cadre de l'entendement. Malheureusement, tout ça, ça vient de Payano, comme vous le savez, comme pour beaucoup, malheureusement, ça vient de l'Arménie. L'Arménie n'en a qu'à faire des problèmes qui se passent en France. Et c'est bien dommage parce que quand il y a des gens qui sont victimes d'usurpation d'identité et que ça vient de leur pays, ça serait peut-être bien que ça soit un petit peu écouté à l'international. Mais bon, au moins, voilà, je suis rassuré par rapport à ce que m'a dit Apple. Et moi, ça me permet au moins, voilà, de vous dire très clairement les choses, d'être très honnête avec vous. C'est pas moyen de me défendre. C'est un moyen de vous dire, voilà, je suis quelqu'un d'honnête. Il faut que les autorités arrêtent leurs conneries et qu'à un moment donné, on se remette au milieu de la table, qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on me dise, voilà, écoutez, il n'y a rien. On vous rend votre téléphone parce que, comme il m'a dit, là c'est pas normal. Le temps qu'ils mettent, c'est anormal. C'est clairement anormal. Parce que moi, ils m'ont dit, écoutez, nous, on surveille votre compte Apple depuis que vous avez votre ancien téléphone. On sait très bien qu'il n'y a rien du tout. Il y aurait eu quelque chose, on vous aurait fait un mail. Apple, c'est, écoutez bien moi, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Apple, comme Tesla, c'est le moyen le plus safe et le plus sûr au monde. Derrière Elon Musk et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être bête, d'être autiste, excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense. Et à un moment donné, il faut arrêter de se comporter comme des gens, à un moment donné, où on n'est pas capable d'être civilisé en France. À un moment donné, là, je vous disais, il y a quelques jours, il y a un faux compte qui usurpait l'identité d'une personne. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, la personne qui me dit que je l'ai insulté, que je l'ai injurié et tout ça, c'est bien beau, on ne m'a rien montré et on ne me montre rien et on continue à ne rien me montrer. Et moi, c'est bien dommage parce que je pense que pour beaucoup, vous comprendrez en écoutant ce que dit Apple, et je vous laisserai faire votre analyse par vous-même, ils sont très clairs, ils sont extrêmement clairs. Et moi, j'ai eu affaire à des professionnels, là, moi, ça m'a bluffé. Donc voilà, donc restez bien quand même à l'écoute. Comme je vous le disais, non, je n'ai jamais insulté, injurié qui que ce soit, je n'ai jamais créé de faux compte sur Instagram. Encore une nouvelle fois, j'ai beau vous dire les choses telles qu'elles le sont en phase vidéo et vous dire les choses sur mes deux chaînes et sur l'ensemble de mes réseaux, mais j'ai l'impression que ce n'est pas suivi des faits. Voilà, sur ce, merci à vous de votre soutien et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut tout le monde, ciao ciao!